Ils n'apprendront donc jamais. Il nous faut un stratagème. Dis à Leto que tu m'as eu et que tu vas me livrer à lui. Et toi ? Sans armes, les poings liés. Si tu ne mens pas, sa réaction confirmera tes dires. Bien sûr, je ne te fais pas confiance. Mes hommes seront là. Fais quoi que ce soit et... J'ai bien compris. Je ne crois pas. Fais quoi que ce soit de stupide et mes hommes t'attacheront à une fourmilière après t'avoir couvert de miel. Même les dieux t'entendront crier. Tu es toujours aussi grandiloquent? On pourrait aussi inciter Leto à avouer. Eidfel menir en verde. Conquérir par le courage et non par la force? C'est ça. Allons-y. Ne le laisse pas soupçonner que c'est un... Geralt de Rive. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Je viens pour négocier. Le renard des bois, enfin arrêté. Je t'avais sous-estimé. Je me demandais ce qu'un humain faisait chez les Scoia'tael. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis, pas vrai? Les Scoia'tael sont mes frères de vengeance. Fini de blaguer. Laisse-moi. Kiran Epes Nilen m'a dit que tu voulais tuer Yorveth. Et quand bien même, pourquoi tu m'aiderais? Bleu des douanes. Dis-moi pour qui tu travailles, et l'elfe est à toi. Nous travaillons seuls. Nous? Les tueurs de rois. Demavend, Foltest, qui d'autre, bordel? Qui es-tu? On s'est déjà vu, Geralt. Tu ne te rappelles pas? Non. Moi si. Tu m'as sauvé la vie, loup blanc. Nous combattions côte à côte, aujourd'hui face à face. Enfin, ce ne serait pas nécessaire si je tuais Yorveth. Serit et Hawks se noieront dans leur propre sang. Je ne crois pas. Mes hommes en auront terminé bien avant que les Scoia'tael de la vallée du Pontar s'aperçoivent de ta mort. Serit et Hawks, qui sont-ils ? Des tueurs de rois aidés par les Scoia'tael dans la vallée du Pontar, en Huidirn. Ce n'est pas nécessaire de faire couler le sang. Dis-moi tout. Fini la plaisanterie. Vedrai, aide-les! À quel jeu jouez-vous? Celui de ta perte. Mon épée, vite! Crève! Je vais te tuer.
Je ne suis pourtant pas un roi. Dommage que nous soyons ennemis. Je vois que tu sais toujours te battre. Pourquoi me traques-tu ainsi? Il croit que j'ai tué Foltest. C'est de ta faute. Tu joues trop, petit soldat. Pourquoi t'en prendre à des rois? Je ne suis plus sorceleur, c'est une histoire ancienne. Donc tu es devenu bandit? Félicitations. Tu aurais dû te rendre quand c'était encore possible. Tu te bats bien, mais tu étais meilleur, jadis. Mémoire musculaire. La chasse sauvage n'a pas pu t'enlever ça. Sorceleur et quelques elfes suffisent pour tuer un roi. Tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui ont voulu nous aider. Tu crois vraiment qu'ils vont rester bien sages? Les jours d'Yorveth sont comptés. Les autres seront condamnés pour avoir semé le chaos. Alors, pourquoi? Tu étais des nôtres, Geralt. Notre sauveur. Et nous sommes quittes. La sorcière se débrouille en magie. Elle pourrait me téléporter en Edirne. Si elle m'écoute, je ne lui ferai rien. Je te retrouverai. Rendez-vous en Edirne. Où est Roche? On n'a pas pu tuer tous ces hommes. Leto est mort? Non. En route pour Flotsam. Comment tu sais? Il cherche Triss. Je dois partir. Tue-le, avant qu'il ne soit trop tard. Ne fais jamais confiance à un douane. Allez. Non, pas par là, Geralt. La garnison. C'est vrai. J'oubliais quel guerrier vous êtes. Mette terre des Gwynbled. Bonne chance. Thank you.
C'est tout ce que votre mère a pondu. T'es trop gentil avec vous. Tuer des innocents. Vous vous êtes gavé sur notre dos. Gérald, maintenant rentrez chez vous, braves gens, ou vous goûterez à la... Alors, aubergiste. Ils ont tué mon fils. Je veux la peau de ces maudits elfes. Ces elfes n'ont rien à voir avec la mort de votre fils. Ne leur faites pas de mal. Tout bien réfléchi. Nous leur laisserons la vie sauve. Rentrons. Merci, Gwynplaine. Sans vous, nous serions morts. Mieux vaut partir au plus vite. Soyez prudents. Qui a causé ce massacre? Je n'ai pas de preuves, mais je parierai sur Loredo. Les gens puissants cherchent toujours à justifier leurs échecs. Et la foule aime bien le grabuge, bon ou mauvais. Cette ville ne sera plus jamais la même. La haine l'a envahie. Il faut trouver Triss. Elle voulait rencontrer Sheila qui a une chambre à l'auberge. Je lui ai parlé du mégascope que construit Zoltan. Pourquoi les gardes ne font-ils rien? Parce que les écureuils ont massacré leurs copains et que Loredo n'a donné aucun ordre. Dépêchons-nous, le temps presse. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Allons-y. Tuez tout ce qui n'est pas humain! Mort à ces saletés! Non! Vous vous êtes gavés sur notre dos! Crève, Nabo! Mort aux non-humains! Oh, bienvenue!
C'est quoi ce monstre? C'est ce magicien. Laissez-les, ils ne vous ont rien fait. C'est vrai, ce sont nos voisins. Entrons, camarades. Merci, maître. Je sentais déjà leur lame me châtier les côtes. Pourquoi sont-ils? La vermine cherche toujours un coupable après une défaite. Soyez prudents. Le comptoir est encore en pleine agitation. Tu sens? J'ai un mauvais pressentiment. Ça n'augure rien de bon. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. Quel foutoir! Tout est sans dessus-dessous. Ils n'y sont pas allés de main morte. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. Jaskier, regarde. Qu'y a-t-il? Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. La tôlière a peut-être vu quelque chose. Allons-y. Revenez plus tard, nous sommes fermés. Ils ont tué une des filles. C'est Derrae, Geralt. C'était sa chambre. Que s'est-il passé? Hier, il l'adorait, il buvait avec elle, lui disait qu'elle était belle. Et aujourd'hui, 5 d'entre eux sont arrivés assoiffés de sang. Elle avait un client? Non, elle était avec moi. Ne me regardez pas comme ça, je la consolais, c'est tout. Ça ne nous regarde pas. J'espérais que vous sauriez ce qui s'est passé à côté. J'ai vu un trou dans le mur. Mais si vous étiez occupé... Jusqu'à ce qu'on entende des voix derrière ce mur. En général, Sheila lance un sort qui empêche de voir et d'entendre ce qui se passe. Mais là, ce n'était pas le cas. Nous avons épié, moi la première. J'ai vu Triss Merigold et Cédric, un ivrogne et ancien écureuil. La magicienne rousse s'est approchée du miroir magique et a dit « Voyons voir avec qui parle notre reine de glace. » Elle parlait de Sheila. Même moi, je l'ai deviné. Elle a fait un signe de la main et a lancé une incantation. Puis est arrivé un homme. À sa vue, Derrae a crié de frayeur. Quand j'ai poussé Derrae, quelqu'un d'autre était dans la pièce. Une femme que Triss a appelée Philippa. Bonjour, Philippa. Triss, tu as l'air en forme. Pourquoi Sheila te laisse-t-elle utiliser son mégascope? Je ne comprends pas. C'est comme utiliser sa brosse à dents. Sheila s'en fiche bien. Qu'est-ce qui amène Sheila à Flotsam? C'est délicat. Il nous faut quelqu'un à la cour, mais Enzel te déteste les magiciennes. En effet. Son fils unique est mort dans un accident de chasse il y a 3 ans.
Depuis, le roi n'a pas eu d'enfant. Et ce n'est pas faute d'essayer. Sheila prétend pouvoir guérir les parties défectueuses du roi avec des ingrédients très rares. Qu'elle entend prendre sur le Kairan. Exact. Ainsi, une magicienne gagnera de nouveau l'attention du roi. C'est tout ce que je sais. Qu'est-il arrivé à Triss ? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit tout ce que j'ai entendu, juste avant que ces tueurs n'arrivent. Ils m'ont frappé et ont poignardé des raies. Mais j'ai entendu des coups dans la pièce d'à côté. La magicienne criait. Quand les tueurs sont partis en quête de nouvelles victimes, j'ai regardé dehors. J'ai cru voir Cédric se faufiler dans les allées qui mènent à la forêt. Merci, Margot. Je vous revaudrai ça. Attendez. Donnez ceci à Yorvet. Une lettre ? Le nom de ceux qui ont tué des raies. Il comprendra. Vous espionnez pour Yorvet ? Je l'aide de temps à autre. Contentez-vous de lui donner. J'essaierai, mais je ne promets rien. Jaski, attends-moi là. Je vais chercher Cédric. Le sang de Cédric. Il a dû laisser une trace. Cédric, où êtes-vous ? Je dois faire exploser ce nid.
ce n'est que le sorceleur. Fais gaffe! De l'aide, enfin! Je croyais que c'en était fini. Qu'y a-t-il? Rien. Mais mon ami est resté dans ce foutu hôpital. Je m'appelle Rupert Brendubert. Je suis un médecin des Dirnes. Un ami et moi recherchons des variétés d'herbes très rares. Cette forêt n'est pas le meilleur endroit pour la cueillette. On nous a avertis, mais on n'a pas écouté. Nous sommes allés jusqu'au lieu de l'incendie. Pas de traces d'herbe. Mais il y avait quelque chose en bas. C'était quoi? Vous avez entendu? Le chien de Gridley. Vous sentez? Quelque chose approche! À l'aide!
pas du tout obligé de me faire ça. Ces hommes étaient innocents. Et moi ? Je ne joue pas avec le feu. Sens de sel. Laissez-moi ! Ne m'approchez pas ! Fichez le camp ! Du calme. J'y suis pour rien ! J'ai rien fait ! Vous n'avez pas fait quoi ? Le feu ! Là ! Partout ! Ça devait pas se passer comme ça ! Je ne voulais pas ! Je le jure ! Je n'en saurais pas plus avant de vous avoir calmé. Des médicaments ont peut-être échappé aux flammes. C'est Rupert qui m'envoie. Rupert ? Il est vivant ? Écoutez, vous et votre collègue manigancez quelque chose, c'est évident. Ce lieu a un passé particulièrement sordide, et tout indique que vous en faites partie. Vous comprenez de quoi je parle ? Oui ! Parfait. Maintenant, racontez-moi toute l'histoire en détail. L'histoire ? Il y a toujours une histoire, Gridley. Parlez. Nous étions des soldats d'Aedirn, lors de la guerre contre Nilfgaard. J'assistais Rupert à l'hôpital de Terrain. Notre unité était en poste dans ce manoir. On se foutait bien de savoir qui habitait ici. Les Foldag étaient dociles. Enfin, au début. Un jour, les éclaireurs ont attrapé un des Nilfgaardiens, qui avait planqué le butin des pillages d'Aedirn. Le gros lot. On avait entendu des histoires sur ce trésor. Et depuis, on cuisinait tous les escadrons noirs prisonniers. Ça a payé. Alors, on l'a fait parler. Sous la torture ? Le commandant voulait le mettre sur la roue. Mais Rupert a dit qu'on avait un meilleur moyen. Une herbe locale. Une fois brassée, elle contraint celui qui l'a ingérée à dire la vérité. Le commandant l'interrogeait tout en annotant la carte. On était tout excités. On se partageait déjà le butin. Le prêtre en charge s'est interposé, et l'un des nôtres l'a décapité. Vous êtes un bon conteur, Gridley. Vous avez une chance de vous en sortir entier. Ensuite ? Le prisonnier nous a dit où était le trésor, et le commandant l'a fait écarteler devant les Frappadag. Lorsqu'ils ont vu le sang, ils sont devenus incontrôlables. On a dû en abattre un paquet. J'ignore même comment l'incendie a commencé. Il y a eu des survivants ? On a évacué une fillette.
très chouette. Elle parlait peu et était très... serviable. Cela dit, la deuxième nuit, elle a assassiné le commandant, volé la carte et a disparu. C'était la guerre. On n'a pas pu continuer les recherches. Et vous êtes revenu après tant d'années. Vous espérez vraiment la retrouver ici? J'ai jamais eu de peau. Rupert, c'est pire encore. On voulait sortir de la poisse. Puisque la fortune nous avait souri une fois, ça pouvait se reproduire, non? Je ne compterai pas là-dessus. On a affaire à une sérieuse malédiction. Il semblerait qu'on doive commencer par retrouver la dépouille du Nilfgaardien. Que veux-tu? Leur mort? Deux d'entre les 20 sont revenus là où aucun ne demeure. Un seul les jugera. S'il est aimable, il les jettera en pâture aux morts. S'il est sévère, il répondra à leur requête. Une prophétie. Formidable. J'aurais pu m'en douter. Apporte-moi leur cœur que je puisse m'abreuver de leur lâcheté. Et leurs yeux que je puisse les sonder. Un marché? D'accord. Je lèverai cette malédiction, d'une façon ou d'une autre. Alors? J'ai vu le fantôme Nilfgaardien. Allons trouver Rupert. Gridley! Tu es vivant? Que s'est-il passé là-dedans? J'ai vu le fantôme du soldat de l'Empire. Vous êtes sorceleur! Débarrassez-nous-en! C'est déjà fait, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Qui vois-je? Tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de mes membres arrachés un à un? Tu te rappelles de ce que tu as fait aux occupants de ces lieux? Sale traître! Ils doivent payer pour leurs crimes. L'accomplissement de leur peine mettra fin à la malédiction. Je te les laisse. Je n'ai plus besoin de toi. Le festin commence. Ah! Oh! Ah! Oh! Oh!